Voilà, on est en compagnie des manchots de Magellan. Ils sont à côté de nous, quoi. J'ai mon petit, j'ai mon petit qui est ici, là. Voilà. Et ouais, ils passent à côté de nous. Ils nous regardent, ils nous observent. Ils viennent toucher nos chaussures. Voilà. Extraordinaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons quitté la semaine dernière, donc. Au Fitzroy, au fameux Fitzroy, et cette semaine on te retrouve à El Calafate. Et El Calafate, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Qu'est-ce que vous voulez? Regarde la caméra. El Calafate et le célèbre glacier. Arrête de me toucher les chaussures, toi. Et le glacier du Perito Moreno. On a fait une excursion sur l'eau, on s'est approché à une centaine de mètres du front du glacier. Magnifique glacier. Ils sont là à côté, regarde le celui-là. Regarde le film. Et magnifique glacier. On te laisse découvrir tout ça et on te dit à plus tard. Et à plus tard, ouais, parce que lui, il est en train de tirer sur ma chaussure. Là. Regarde-le. Voilà. Voilà. Allez les amis. On te laisse, on reste en compagnie des manchots de Magellan. On est invité à manger chez eux ce soir. On est invité à manger. Arrête, il me tire les lacets, lui là. On est invité à manger chez eux ce soir. C'est extraordinaire. Allez, on vous dit à très bientôt. Comme d'hab, abonne-toi. Active la cloche, mets des commentaires et on te dit à la semaine prochaine. Alors, je pense qu'on va en adopter un. Et arrête-toi de me tirer les godasses. Regarde-lui, là, il me tire les godasses. Allez, regarde-les, regarde ça. Là. Allez. Ciao. À très bientôt. Nous, on vient au moment. On vient au moment magique avec les manchots, là. C'est extraordinaire. Allez, ciao, les amis. À bientôt. On s'est payé une journée en bateau, c'est un gros cata, il est devant nous, là on vient d'arriver au port. Donc on a 1h30 devant le Perito Moreno, où on va pouvoir faire des photos. Donc le Perito Moreno, hein, pour préciser, c'est un grand glacier. Très grand glacier. Ouais. Et donc des photos devant le glacier, et on a deux petites marches, il nous arrête deux fois là dans la journée. Et puis après c'est balade sur l'eau. Dans le bateau, après on se baladait parmi les icebergs. Voilà, et le bateau il est juste devant là, qui nous attend. Alors on aperçoit le Perito Moreno, on va là-bas.
qui est à 12 km d'ici. Et on le visitera donc tout à l'heure en fin d'après-midi. C'est pas mal cette sortie. Alors oui, c'est une sortie qui est intéressante sur le plan culturel aussi, sur le plan visuel, parce que on profite de très très belles images, très très beaux décors ici dans ce parc du Perito Moreno. Et cet après-midi, on va visiter le glacier, le fameux glacier Perito Moreno. Et là, on va s'arrêter d'ici quelques minutes pour faire un premier trek de 40 minutes à peu près. Ouais, petit trek. C'est un petit. Hein. Petit trek. Et on remonte à bord et on va faire un deuxième trek après d'une heure et demie à côté du Cerro Negro. Mais on ne grimpe pas au Cerro Negro, hein. C'est un tout petit trek. Non. Voilà. Donc c'est beau, on a une belle journée, hyper ensoleillée, pas de vent, pour une fois pas de vent, c'est exceptionnel. Ouais. Donc on a vraiment choisi le bon créneau. Et là on navigue dans les bras du lac Argentino. Alors là c'est le bras Mayo de mémoire. Parce que... Il y a très peu de monde qui peut venir ici puisque l'accès se fait uniquement en bateau. Voilà, donc on a pris une excursion à la journée. On a choisi cette excursion parce que on fait beaucoup de haltes et beaucoup de marches au cours de cette journée en bateau, et ça c'est plutôt sympa. On a préféré celle-là à l'autre excursion où on visite trois glaciers. Ici en fait on visite surtout des jardins d'Éden, je vais dire, de ce parc du Perito Moreno. Et on a trouvé plus sympa, nous, de faire un petit peu de trek, alterner le trek et la balade en bateau et la visite du glacier Perito Moreno. Quelle magnifique balade on fait aujourd'hui dans le parc national du Perito Moreno, du célèbre glacier du même nom qui a été, qui porte le nom en l'honneur du naturaliste et explorateur argentin Francisco Moreno. Et le terme Perito, c'est pour expert en fait. Donc ce magnifique parc national du Perito Moreno s'étend sur 1263 km². Le plus haut sommet ici dans ce parc, c'est le Cerro Eros qui culmine à 2770 mètres. Le climat ici est plutôt tempéré, froid l'été, voire froid, puisque les températures maximales sont de l'ordre de 15 degrés et minimales, voire en dessous de zéro. Il n'est pas rare ici qu'en été, il y ait des précipitations neigeuses, même en plaine. Ce parc aussi est exposé à des vents
violent et constant d'ouest qui se refroidissent au passage de la chaîne de la cordillère des Andes, ce qui explique qu'ils sont très froids et très violents puisqu'ils dépassent régulièrement les 100 km/h. Alors bien sûr, dans ce parc, on va trouver de nombreux glaciers. On en compte au total 48. Et parmi les 48, on va trouver et pouvoir observer le fameux glacier du Perito Moreno. Glacier qui s'étend sur 250 km² d'une longueur de 30 km et un front de 5000 m. Actuellement, il a une hauteur de 174 mètres, dont 70 mètres émergés. Ce glacier fait partie des trois seuls glaciers dont le front ne recule pas. Il a même une particularité, c'est qu'il avance actuellement de 2 mètres par jour, soit 700 mètres par an. Et l'avancement de ce glacier sur l'arc argentino fait que quand il rejoint la rive opposée, il avance en fait vers la péninsule de Magellan, et quand il arrive sur la face opposée du rivage, il vient créer un barrage naturel qui bloque l'écoulement du bras Rico. Le bras Rico, c'est un bras du lac Argentino. Sous l'effet de ce barrage naturel, les eaux du bras Rico montent d'une trentaine de mètres et exercent une pression sur une partie du glacier, la partie droite du glacier, ce qui va créer à terme un tunnel qui va arriver à rupture régulièrement. La fréquence aujourd'hui n'est pas établie. Les scientifiques disent que ça peut aller, ce cycle, d'un an à une décennie. Le dernier effondrement spectaculaire qu'il y a eu, puisque c'est un phénomène naturel unique au monde, s'est déroulé en 2016. Les images, tu les as sous les yeux, c'est des images sourcées. Alors j'ai donné quelques chiffres, 250 km², il s'étale sur 30 km, son front est de 5000 m, ce qui est énorme, et la hauteur émergée, 70 m. Par endroit, l'épaisseur du glacier est de 700 m. Voilà, autant dire que c'est un glacier qui est un petit peu unique au monde, et c'est ce qui fait sa particularité, et aussi le fait qu'il y ait une grosse activité touristique dans cette partie de la Patagonie sud. À plus tard. Allez, on arrive sur le site du glacier du Perito Moreno. Il est encore à 2 km à peu près de là. On le voit déjà pas mal. Montre la zone dont je te parlais tout à l'heure ici. Donc on est côté péninsule de Magellan. Le glacier progresse comme ça, d'avance, et il vient ici accoster sur la rive là de la péninsule de Magellan. Et ici donc ça fait un verrou naturel qui bloque donc la descente d'eau ici du bras Cerro. Donc le bras Cerro étant obstrué, l'eau du bras Cerro monte d'une trentaine de mètres, et l'eau sous la pression vient éroder le glacier. Ça forme un tunnel ici, et à un moment donné le tunnel s'effondre. C'est ce qui s'est passé en 2016.
Voilà. Bah, nous, on n'aura pas la chance de le voir parce que bah, le tunnel s'est effondré et depuis, c'est pas reformé. Mais on a quand même une très belle vue sur ce glacier. Ce coin est vraiment magnifique. On s'est posé ici hier soir en bivouac. On venait en pleine nature. Et on se trouve là juste au bord du lac Argentino. Et on a eu la chance de pouvoir rentrer dans la propriété d'une estancia, ce qui est rare ici. Parce que comme on te l'explique, ici en Argentine, il y a des centaines et centaines de kilomètres de clôture. C'est toujours très difficile d'accéder au lac ou d'accéder aux montagnes parce que tout est fermé. Et hier soir, en revenant du glacier du Perito Moreno, on a vu des voitures sortir d'une propriété. Donc on a demandé si on pouvait rentrer parce qu'on voyait il y a deux ou trois voitures qui sont rentrées et sorties. Donc les gens nous ont dit oui, vous pouvez rentrer, il faut juste fermer, vous ouvrez, vous refermez le portail et puis vous pouvez rentrer. Donc ça nous a permis de rentrer et de pouvoir se poser ici dans ce cadre qui est absolument magnifique. Et je voulais te faire découvrir quelque chose qui n'est pas nouveau, hein. On le fait de temps en temps. Ce matin, j'ai pris la précaution de prendre un sac poubelle et de ramasser tous les déchets que je trouvais. Parce que les gens rentrent ici, ils ont passé l'après-midi, parce qu'hier c'était dimanche, il y avait 5 ou 6 voitures ici posées là. Voilà, dans ce coin là, il y avait 5 ou 6 voitures, là, comme nous on s'est posé ici, hein. Et j'ai fait le tour et puis j'ai ramassé un sac poubelle de déchets. C'est absolument immonde quoi. Les gens ne prennent pas, ne font pas attention, je trouve, aux dégâts qu'ils peuvent causer en jetant comme ça leurs déchets. Et puis aussi le fait que cet accès y soit disponible. C'est un petit peu dommage qu'on ne respecte pas non plus la propriété des gens, même si je ne suis pas toujours en accord avec ça. Je trouve qu'ici c'est extrêmement cloisonné, fermé. Mais cette personne a laissé l'accès disponible, libre, pour que les gens puissent venir profiter du bord du lac. En contrepartie, voilà ce que laissent les gens. Alors, j'ai ramassé une poche, une poubelle complète de cochonnerie. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Alors ça va de, bien sûr, la bouteille en verre, c'est assez classique,
aux boîtes de conserve, des couches de bébés aussi que j'ai ramassées, j'en ai ramassé une, les cigarettes bien sûr, les mégots, les papiers toilettes que j'ai ramassés, hein, j'ai pris des gants bien sûr, là je ne te dis pas la quantité que j'ai pu ramasser, un vêtement aussi, je pense que c'était un sous-vêtement qui pourrissait sur place, un bout de ceinture, enfin tout ce qu'on peut imaginer, des bouts de plastique, j'en ai ramassé tant et plus. Tiens, il y a encore un coton-tige qui est là par terre que je vais pouvoir ramasser aussi. Donc voilà, je voulais te montrer aussi ce côté-là qui est un petit peu navrant, parce que d'une part, c'est pas prendre soin de notre nature, elle est tellement belle, ici comme ailleurs, comme chez nous, et puis c'est pas respecter non plus les gens qui accueillent, qui proposent l'accueil, parce que c'est très très compliqué ici de rentrer dans une propriété et voilà, cette personne fait la gentillesse d'offrir la possibilité de rentrer dans cet espace. Je te remontre l'espace, il est magnifique, hein, donc nous on est là. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, c'est vraiment super. On a le bord du lac Argentino qui est là, qui est à 150 mètres, j'étais me balader là ce matin. C'est quand même dommage quoi de ne pas respecter. Voilà, après on se plaindra que les gens ferment et qu'ils laissent pas l'accès disponible. Des fois je comprends un petit peu que les gens se disent bon mais non je ferme, c'est chez moi, j'ai pas envie que les personnes rentrent et puis je vienne jeter leurs déchets. Voilà, c'était le petit mot du jour. Allez, à plus tard, ciao.